En cette journée de la tolérance, prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous battre. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos corps, entre toutes ces langues, entre toutes les lois imparfaites, entre toutes les opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi. Puissent tous les humains se souviennent que nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes habitants de cette terre et nous devons en prendre soin, comme nous devons prendre soin de notre prochain, malgré les différences. Et sans oublier de maximiser la tolérance, puisque nous sommes tous différents tout en étant pareils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous aurez la chance de participer à une chasse au code QR durant vos pauses, le but sera de vous promener dans vos corridors respectifs afin de retrouver 5 à 7 codes QR collés sur le mur. Chaque code contient une énigme à vous de les résoudre correctement d'ailleurs, pour faire gagner des points à votre niveau. Participez en grand nombre. D'ailleurs, je vais y participer. Bonjour les lasers. Le 17 novembre sera le thème de la destinée. Le thème de la décennie. Vous devez porter des vêtements style années 70, 80, 90 et début années 2000. C'est intéressant. Voici le code vestimentaire à suivre pour cette journée. Vous aurez la chance par la suite de répondre à un Google Form par groupe classe qui portera sur des causes samedi-génères. Samedi! À travers les décennies 70 à maintenant, le plus de bonnes réponses obtenues rapporte des points à votre niveau. Participez en grand nombre samedi! Let's go! Chut! Un homme et blague sont pas connus. Participe, ya!